Bonjour les amis, je suis sous le pont de Limousis, pas loin du moulin d'Artigues. Donc je vais réitérer mon aventure, comme l'autre jour, pour ceux qui me suivent. Je vais aujourd'hui marcher dans l'eau du moulin d'Artigues à la Stourse. Donc on va suivre une partie de la vallée de l'Orbiel. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de débit que la dernière fois. Bon, ben, on va s'en accommoder, hein. Ah, première difficulté. Un arbre en travers le lit de la rivière. Alors, on va essayer de le contourner. Et donc, c'est pas facile à enjamber tout ça. Où sont mes 20 ans? Ah, vache. Enfin, on va y arriver. On va y arriver. Eh bien, voilà. Ouf. C'est laborieux. Allez, c'est reparti. J'ai le même problème que la dernière fois. Le fond de l'eau est très glissant. Une vraie savonnette. Ça fait des algues marrons qui sont accrochées aux pierres. Et vraiment, c'est une patinoire. Enfin, on va y arriver. Ah, un coin de paradis. Une chaise longue, des tables, des chaises. Le hamac. Ben, on s'en fait pas. C'est vrai que le coin est agréable. Allez, on continue. Me voilà au niveau du moulin d'Artigues. J'emprunte une bordure en ciment. Ah, je gagne du temps comme ça. Il y a pas mal de petites fritures dans l'eau et beaucoup de truites. Je peux pas les avoir parce que dès qu'elles me voient, ça file comme un massa. Ça part. On dirait des Formule 1. Me voilà en plein milieu de la vallée de l'Orbiel, avec les premiers contreforts de la montagne noire de chaque côté. On se sent tout petit, hein, mais c'est magnifique. Hein. Alors, on continue en direction de la Stourse. Ah, ici, autrefois, il devait y avoir une passerelle qui enjambait l'Orbiel. Et là, il devait y avoir des jardins. Mais voilà, ça c'était avant. Le volume d'eau est plus important aujourd'hui que l'autre jour à Conques, hein. Il y a beaucoup de gouffres. Hein. J'ai souvent l'eau au-dessus des genoux. Aujourd'hui, la rando dans l'eau est plus difficile à gérer. Plus compliqué, plus de difficultés. Mais bon, ça va. J'arrive à gérer. La rando est peut-être difficile à gérer aujourd'hui, mais c'est tellement beau qu'on en arrive à oublier les difficultés. Ce qui devait arriver est arrivé. Je suis tombé à l'eau. Alors, j'ai les fesses mouillées. Vache. Enfin, ça va. Avec ce temps, ça va sécher rapidement. Ça y est, au loin, je vois un château. Eh ben, c'est assez compliqué aujourd'hui. Hein. Mais sans regret. C'est tellement joli. Allez, je continue. Voilà, on trouve des choses un peu bizarres. Je ne suis pas à vendre, ben, désolé moi non plus. Terminus, la Stourse et ses châteaux. Bon, là on n'en voit que deux. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la Stourse encore, je pense que vous êtes peu nombreux, il y a quatre châteaux. Hein. Là on en voit deux en arrivant et les deux autres sont derrière. Voilà.
Avant de partir, une petite visite s'impose du joli village de la Stourse. La petite visite du village de la Stourse est terminée. Maintenant, direction chemin du retour. Mais pas par la rivière, trop compliqué. Par la route.